tout choc. Le deux. Bonjour, Jean-François Lenoc, voilà, je suis parti du Vautuat depuis pas mal d'années. C'est un art martial traditionnel vietnamien qui s'apparente. Notre particularité, c'est les ciseaux têtes, comme le Vet Vodao, comme le Kwan Kido, etc. On va voir ciseaux têtes avec une clé de bras à la suite, fait par mademoiselle. Le ciseau buste, au lieu de prendre la personne sur le côté et de partir en arrière, on va se renverser, le prendre de l'autre côté de façon à partir en avant. Donc la personne qui va se faire prendre le ciseau corps au niveau du corps, du buste, va partir en avant. Voilà. Alors, je l'apprends à un élève de la manière suivante. C'est Seb, viens voir. Voilà, je vais te montrer un peu. Ouais, tu vois. En fin de compte, il y a un temps d'apprentissage, mais après, il faut se lancer sur un combat ou sur une compétition. Donc, quand par exemple, moi, je suis là, je lui dis, la première chose à dire, c'est ici, main à la nuque ou attraper le kimono, d'accord, mettre la jambe devant, poser la main sur le sol et l'autre jambe derrière. Et après, s'asseoir en arrière. Quand on est là, on va chercher la jambe, on pousse. Super. On pousse ici sa jambe. Donc en poussant cette jambe, on pousse l'autre. On va chercher ici et on fait la clé. D'accord? Donc ça, c'est le côté pratique des choses. Une fois qu'on est à l'aise à ce moment-là, on apprend simplement à changer de jambe. Donc on est en change de jambe. On est en garde inversée. Et là, on se retrouve dans une configuration combat. Comme si on boxait, je sais pas quoi. Donc, c'est sûr que si on veut lancer le ciseau tête, le ciseau corps, il va devoir arriver, il va bouger. Donc, avant de lancer le ciseau corps, on peut faire des combinaisons, etc., 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 etc. Et là, on lance directement. Et à ce moment-là, on passe et on tourne et on verrouille. Ok. Alors voilà. Donc, on a vu différentes techniques de Vautuat, notamment les ciseaux, et qui sont aussi valables en MMA. Donc on a pu le voir Anderson Silva contre Ryo Shonan, qui lui a plissé un magnifique ciseau au corps, et après suivi d'une clé de cheville. One, but there's the other leg. You see Anderson Silva switch stance. Oh, now he goes forward again in the southpaw position. So Shonan right away should kick with the right leg inside out. Take away the lead. Oh, look at this! Wow, this is good! Unbelievable! This is beautiful! This is unbelievable! Wow! Oh. Are you kidding me? That a performance tonight from Ryo Shonan, a fight that he was well on his way to winning. He puts an exclamation point on it, boss. Let's take a look at that winning leg lock.